Yo tout le monde, c'est Blackbird HD. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Ghost sur la map Freight en éclair 6v6. Dans cette partie, j'étais accompagné de SnipeTech, Kamzer92, Swim Lawrence, Wasabi Dreams et moi-même. Donc voilà, éclair 6v6 comme je vous l'ai dit. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une double KM à la SA805. Donc en blocage de spawn, hein, dites ce que vous voulez, perso moi je m'en fous. C'est vrai que c'est un peu du blocage, mais voilà. Voilà, il n'y a pas de support, c'est ça qui est la particularité de mes gameplays. C'est que c'est vrai, je joue beaucoup en groupe, mais il n'y a pas de support. Il n'y a pas de veste, il n'y a pas de drone, il n'y a, pas tout ça. Sauf des fois, il y a des mecs, des randoms, ils me donnent des vestes, donc je suis content, mais bon. Voilà. Donc dans cette vidéo, je voulais vous souhaiter une bonne année 2014 à tous les abonnés de l'arrache, tout simplement parce que j'avais pas pu vous la souhaiter, parce que j'étais en vacances déjà. Et je suis passé sur la rage là avec ma double KM sur Freight justement aussi. Cette fois-ci c'était à la Honey Badger, donc une arme un peu plus simple je trouve que la SA805. Et j'avais oublié de vous souhaiter une bonne année car j'avais upload cette vidéo il y a de cela un mois à peu près sur ma chaîne. Donc voilà, je l'avais préparé il y a un mois, donc c'est un peu normal que je vous ai pas souhaité la bonne année. Donc je vous souhaite, comme je vous ai dit, une bonne année 2014, beaucoup de KM, beaucoup de... De plus de 100 kills, voilà, beaucoup de bonheur. Des bonnes notes à l'école, parce que ça, c'est très important. Et voilà. Donc, dans cette vidéo, je voulais parler d'un petit sujet. Pour une fois que j'ai un sujet, hein. Donc, je voulais remercier Born for Win qui m'a donné le sujet. Donc, le sujet, c'est... merde. Le mec, il se rappelle même plus du sujet, mais bon, c'est pas grave. Ah oui. Donc les anciens modes de jeu, ouais, qui pourraient être sur Ghost. Donc franchement, sur les anciens codes, il y avait vraiment des très bons modes de jeu, notamment sur BO2, donc le point stratégique, qui était un mode vraiment que j'adorais, surtout en compétition, donc que ce soit en ligue ou en TS, c'était vraiment bien. Et apparemment, ils avaient dit qu'ils allaient le remettre donc sur le fameux DLC compétitif là qu'ils voulaient sortir en décembre, mais bon, il n'est pas sorti, c'était un gros fake. Donc j'aimerais bien franchement qu'ils le ressortent sur Ghost sur un autre DLC. Apparemment le premier DLC va sortir, j'ai vu un petit screen sur Twitter. Donc il y aurait 4 nouvelles maps, donc multijoueurs. Avec une arme, ouais, et une nouvelle map extinction. Donc voilà. Donc là j'obtiens ma première QM, donc je l'ai obtenue à peu près en 2 minutes. 2 minutes 10 par là. Donc ça va, c'est pas trop mal. Et là on se retrouve, donc j'ai coupé le gameplay, on se retrouve sur la deuxième... série quand même. Donc voilà, on a changé de côté, c'est sur la deuxième manche. Et il reste 2 minutes 40 de jeu, donc voilà, je vais la faire assez rapidement. Voilà. Donc comme je dis, il y a le point stratégique qui est vraiment un mode très sympa, que j'aimais vraiment beaucoup. Il y a quoi comme mode de jeu aussi qui était bien? Il y avait la capture drapeau, que j'aimais bien aussi. Avec le un drapeau CDD là qu'ils avaient rajouté à la fin du jeu sur BO2, qui était pas trop mal aussi, même si c'était abusé quand même, on pouvait faire vraiment du gros spawn trap. Il y avait quoi d'autre comme mode de jeu? Il y avait quoi d'autre justement? Il y avait donc Constrat, CTF. Ah oui, multi-équipe. Oh là là. Alors ce mode de jeu, c'était un truc de ouf. Il n'y avait que des noobs. Enfin, ça dépendait. Ça dépend. Des fois, il y avait des mecs 4-2 ratio. Les mecs, c'était des ricains là, ou des anglais. Ils étaient tous en team. Ils jouaient la nucléaire, le plus de 100 kills, groupe de chasse là. Et franchement, le plus dur dans ce mode de jeu, c'est qu'il fallait avoir la microstation orbitale avant les autres. Et si on l'avait avant les autres, c'était gagné, parce que souvent, ils rage-quittaient. Ou alors, bah voilà, ils s'en prenaient plein la gueule. Voilà. Donc là vous pouvez voir que j'enchaîne vraiment à mort, hein. J'ai fait une quad feed on screen là, comme vous pouvez voir, donc c'est vraiment, j'y vais à fond. Donc voilà, je voulais parler de ça donc dans ce gameplay, et je sais pas si vous avez vu dans la dernière vidéo aussi d'UKM sur Freight, j'avais proposé donc une aide aux youtubeurs, donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à participer. C'est vrai qu'en ce moment j'en ai pas trop upload, sauf la semaine dernière j'en avais upload 2 épisodes, donc pour 2 abonnés, voilà. Donc franchement, si vous qui êtes derrière votre écran et qui êtes youtubeur et qui voulez vous développer sur YouTube, bah il n'y a pas de problème, vous m'envoyez votre vidéo en message privé YouTube. Donc vous me faites une brève description de votre gameplay, hein, donc voilà, map, arme, le score que vous avez fait à peu près.
tout ça. Le lien de votre chaîne, quoique non, le lien de votre chaîne, c'est pas grave. Enfin, je le mettrai quand j'irai sur votre chaîne. Surtout le lien de votre vidéo, ça c'est le plus important. Mais comme je dis, une petite description de votre gameplay avec le lien de votre vidéo. Donc voilà. Et donc voilà, j'espère que ça va vous faire plaisir ce petit projet. Là au passage, j'obtiens ma deuxième KM, donc je vais les lancer les deux à la suite. Et voilà, voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire, comme je vous ai dit. Et que le meilleur gagne. Non, je déconne, je dis de la merde. Donc voilà, le gameplay est bientôt terminé. Là, j'ai un gros bug. Donc là, je lance la deuxième KM. J'ai fait que 2 kills, malheureusement, avec ma première KM. C'est vraiment dommage. Donc voilà. Dites-moi dans la vidéo si vous avez mis la like. Dites-moi dans la vidéo si vous avez. Dites-moi dans les commentaires, pardon, si vous avez mis la vidéo. Et likez, commentez, voilà, ça me fera super plaisir. Désolé si le commentaire est pas terrible, mais voilà, j'essaie de faire de mon mieux. Je finis sur un 63-7, voilà, d'où quand même à la SA805. Comme je dis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Laissez un like, un commentaire. C'était Blackbird HD. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.